Hey, 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 Cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et là, je lance ma partie. Je me dis, c'est qui cette femme? Qui est cette femme dans mon jardin? Majordome, non mais... je comprends pas, mon jeu il change les majordomes comme ça. Ah, du jour au lendemain, je ne fais rien, je ne les vire pas. De toute façon, ils sont tous nuls. Comme pas deux. Mais là, franchement, je ne sais pas. On a encore viré de majordome. Bah oui. Oui, il est plus là. Bon, peut-être qu'une femme fera mieux le travail. Hein. Pour l'instant, on va voir. On va la garder. Et puis, si ça va toujours pas, et bah, on la virera et on reprendra plus de majordome. Parce que, au bout d'un moment, ça commence à bien faire, quoi. Nous sommes dimanche, 3h30 du matin. Ben, on dirait pas. On dirait qu'il fait super jour, en fait. Mais bon, c'est les Sims. Et nous sommes le jour 1 sur 14 de l'automne. Le winter is coming, you know. Et ici, c'est l'automne qui est bien là, par contre. Ça fait hyper flipper de voir le poupon en gros plan comme ça, je trouve. C'est simplement Marcel qui joue au docteur. Je me suis fait un petit trip comme ça, là. Là, voilà, on a Irène qui dort. Là-bas, Gisèle, elle descend les escaliers. Je sais pas ce qu'elle va faire. Mais je trouve ça tellement sympa, la first person, finalement. C'est vrai qu'ils ont fait une mise à jour qui fait que ça balance un peu moins. Et là, d'après ce que je vois, c'est vachement bien. Ah! Allez, tu vas faire ça. Ok, elle prend son bain. Tranquille. Ah! Ça, c'est Marguerite qui discute avec sa petite famille. Son mari et sa fille. C'est sympa, hein, quand même. Moi, j'aime bien. Voilà, vu d'ensemble, vient Marcel. Elle descend. Ah ouais, j'aime bien. Non, ils ont amélioré et je crois que ça filera moins la gerbe, quoi. Ah d'accord, Gisèle, elle se met au jardinage. Ouh, Albert va travailler dans une heure. Ouh, bah dis donc. Non, 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 tu vas pas y aller, mon coco. Alors, pourquoi tu... Ouais. Ça, c'est sec. Mais bon, c'est pas très grave, puisque la saison est finie. Donc, cette fois, ça va être les mufliers et les... Oh, plants des fruits du dragon. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. On va gagner, je pense, 3 tonnes de fric par jour. Ça va être sympa, tout ça. Tiens, tiens, c'est quoi, ça, qui passe, là? Attendez. Parce que là, il faut qu'on se trouve une mission. Louis Crawford. Oui, ça va, c'est pas si moche. Mais bon, il va falloir trouver des maris pour nos demoiselles. Ah oui, et puis... Oui, j'ai envoyé tout le monde faire du sport. Hein. Ce matin, c'est vraiment... Là, il fait beau et tout ça. Donc, tout le monde est parti faire du sport. Il n'y a que le petit Marcel qui, lui, n'a pas été parce que, bah... Il est trop petit. On ne peut pas lui faire courir. Mais donc, on va chercher des amoureux pour les demoiselles. Mais va te laver, toi aussi. Hein, comme ça, ce sera fait. Toi, voilà. Et toi, il y a hors de question que t'ailles au travail. Voilà, notre majordome était donc à côté de la poubelle et n'a pas jeté les assiettes et les plats dégueulasses. On a vraiment du bol avec les majordomes, vraiment. Ouh là 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 là, non, 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 ma, non, 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 oui. Oui, reviens. Tu ne vas pas au travail, Albert, je sais plus. Non, reviens. Ah, mais non, il a été bossé. Pff, oh, zut, hein. Oui, appelle, réponds. Mais j'aime bien ce qu'il répond, mais il répond pas. Il a pas de notification et tout, donc je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, pour l'instant, il va pas au taf, mais il se fait toujours pas virer. Tout va bien. Un petit coup de violon pour Gisèle. Qui n'est toujours pas rassuré. On est quand même entre point 3 et point 4 de niveau quand même. Donc ça devrait aller mieux. Je pense qu'au niveau 4, ça sera moins inaudible. Mais bon, pour l'instant, hein. On fait ce qu'on peut. Oh, mais le mignon, hein. Albert, il regarde sa fille prodige. Sa petite fille jouer du violon. Ah, et puis alors, on voit bien l'air de ressemblance entre Louise et Albert. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et puis même avec, Irène. Et puis elles ont même la même tenue, j'avais pas remarqué. Oh là là, des clones. Heureusement, elles ont pas la même tête ni les mêmes couleurs de cheveux. Allez, on va faire un petit tour au parc. Cette fois-ci, on est à
Oasis Springs, il fait quoi ici? Il fait très chaud. C'est un peu la canicule. Ah oui, elles ont toutes changé, tout le monde a changé pour sa petite tenue d'été. Ce qui est pas mal. Bon, alors on oubliera qu'il y a ça, hein, mais je voulais changer de parc un petit peu. C'est normal que ce soit tout sec ici. Oh, je pense que c'est fait exprès, non? C'était pas là qu'il y avait un cours d'eau? Ah si, il y a un petit cours d'eau là. Ah oui. Tiens Marcel, tu ferais pas un peu de pêche? Voilà, mais il n'y a pas grand-chose, hein, le fond, il n'y a vraiment pas grand-chose au fond, quoi. Mais ça peut toujours le faire. Oui, il y a ce coin-là, ici, aussi. Oui, bah, on va voir, en fait, c'est essentiel, c'est de peut-être rencontrer des gens. Du mal! Ah, nous avons un paparazzi ici, parce qu'on a Dustin qui est là. Deux jeunes hommes qui sont pas dégueux. Philippe Blanc. Et lui, c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié. Oula. Harry Darmon. Alors lui, il est ado. Mais c'est un rouquin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de rouquin dans la famille. Bah, lui, il est plus classique. Bon, les filles. Les filles, vous allez dire bonjour à ces jeunes hommes. Voilà. Toutes les trois vont se présenter. Mais reviens. Reviens ici. Voilà. Oh, il y a une fille ici. Martha Blomgren. Ça, c'est pour lui. Tu vas pouvoir te présenter également. Plus on fait de connaissances, mieux c'est pour tout le monde. Ah, ah, Irène, t'as l'air de bien apprécier le petit, là, le petit Harry. Oui, bah écoute, tu vas faire connaissance, tout ça, hein. Tu vas frimer, tu se plains de la chaleur. Bah oui, chez moi, il fait frais, ici. Ici, il fait trop chaud, quoi. Je sais pas pourquoi, mais alors je suis dans la chaleur. Et toi, qu'est-ce que tu veux bien faire? Ah, bah regarde, il vient te parler. Oh, c'est mignon, mais dis donc. On pourrait croire se recroire qu'on vous a trouvé déjà un chéri pour chacune, hein. Et ça, c'est quoi, ça? Vincent Morel, adulte. Bon, c'est dommage, c'est qu'il est déjà adulte, donc trop vieux pour mesdemoiselles. Ouh, mais il y a lui, là, il y a le beau gosse la dernière fois. Moi, je dis que quand même. Hein? Regardez tous ces mâles. On ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est bien, c'est bien. Par contre, c'est Simone qu'il faut qu'on casse. Donc là, ils sont tous un peu trop jeunes pour elle. Il lui faudrait un jeune adulte. Faudrait trouver ça. Oula, qu'est-ce que c'est quoi ça? Thierry Robert, t'es adulte. Mais t'as une très très belle moustache. Magnifique. Bon, c'est un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel. Mais pour Simone, on va regarder dans son inventaire. Nous avons Gideon, Henri, Louis, il est marié, Daniel, il est déjà adulte, c'est dommage. Philippe. Ah bah oui, Philippe, oui. Mais c'est lui? Oui, c'est celui-là. Non. Ah non, on a Thomas Sanders. C'est pas le même que la dernière fois. Ah oui, Gideon, il était venu à la maison. Tu vas m'appeler. Il est quoi, lui? Jeune adulte, bon, tu me l'appelles. Tu me l'appelles, on va te caser avec lui, Oliver, qui est donc le fils de Kélan. Aragon. D'accord, c'est le fils, mais alors le prénom, ça va pas être du tout. Beau. Thomas Sanders va arriver. Ah oui, mais tout le monde se barre là, mais revenez les gens. Alexandre Blanc, jeune adulte, c'est un cousin. Un cousin? Comment ça, c'est un cousin celui-là? Mais je le connais pas, lui. Marina Crawford, ok. Mais lui, c'est un cousin. De où c'est un cousin? Je vais aller voir ça. Ah y est, je l'ai retrouvé. Effectivement, Alexandre Blanc, c'est le fils de Rose de la Fortune, qui est donc la sœur de Marguerite. Donc effectivement, on les a jamais vus, mais c'est bien le cousin. Dommage, dommage qu'on ne puisse pas les marier. Simone, Simone, ton homme est là. Tu vas discuter avec lui. Lance une rumeur grotesque. Si tu veux discuter de la paix dans le monde, parler du temps nuageux. Et puis on va le faire rigoler. Et c'est déjà pas mal. Thomas Sanders sera donc ton futur mari. Je pense que j'ai casé mes trois filles, puisque je vais faire Gisèle avec Gideon. Et Irène avec lui, avec Harry. Voilà, ça fera des looks un peu différents. Et voilà. Bon, après, Marcel, on a encore le temps.
Il va bientôt grandir, on verra à quoi il ressemble et puis on verra si qu'est-ce qu'il y aura de disponible à ce moment-là. Bon, il y a encore du taf, parce que tu le connais pas vraiment, on va dire, donc tu vas le brosser dans le sens du poil. Voilà, tu vas faire connaissance, tu vas complimenter, conversation profonde. Tu vas. On fera cadeau. Discuter des centres d'intérêt. Faire connaissance. Discuter des produits, des machins, des saveurs, là, je sais pas quoi. Et faire connaissance. Ce sera déjà pas mal. Pour l'instant, on ne connaît pas des masses. Hein. On sait qu'il est imprévisible. Ça, c'est vrai que je l'avais vu. Qu'il était. Eh ben voilà, imprévisible et joyeux. Bon, ça va, hein, c'est sympa. Et actif, d'accord. Bon, bah, c'est un bon mélange et il est criminel. C'est génial, par contre, ça. C'est pas grave. Si c'est Simone qui... si Simone survit et qu'on continue l'aventure avec elle, on lui fera changer de taf à ce jeune homme, évidemment. Oh oh oh! Est-ce qu'il a l'air OP, Harry, Thomas? Oh, ça y est, je sais plus. Bon, il n'est pas l'air d'être. Hein, ça lui dirait bien, je pense, d'avoir une petite aventure avec la petite petite Simone. Après, petite aventure qui se transforme en grande aventure, n'est-ce pas? Puisque s'ils se marient et qu'ils ont des enfants, eh bien, ce sera. Voilà. Bon, après, bien sûr, il sera susceptible aussi de mourir. Bah oui, hein, faut pas oublier. Les années 40, la guerre, tout ça, on peut peut-être avoir une amourette, mais voilà. En tout cas, la conversation est agréable pour l'instant. L'amour n'est pas encore pointé le bout de son nez entre deux. Et voilà! Et si, il est enjôleur. Ouh, tu vas embrasser les mains. Ah là 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 là. Oh la petite Simone. Oh la coquine. Oh la coquine. Oh il aime ça, il aime ça. Tu vas le draguer. Et le premier baiser. Le premier baiser. Allez, 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 allez! Oui! Ça, c'est fait! Simone, la suite au prochain épisode, il faudra bien sûr que vous vous fiancez. Et oui, parce que moi, j'ai envie de refaire des mariages pour cette fois. J'ai pas marié, comment elle s'appelle, Germaine, mais je pense que je vais marier nos filles sur le coup parce que j'aime bien les mariages dans les Sims. Je suis un peu comme ça, moi. Bon, voilà. Et tu peux être son petit ami, vous pouvez être petite amie, comme ça sera bouclé. Ça te dit qu'on soit petite amie? Ah oui. Ah, trop bien. Et oh bah non, et dis donc non, oui, mais bah non, mais tu oh, bah alors, il est où? Il est là, il veut vite se barrer par contre. Par contre, un petit baiser passionné pour sceller ce couple naissant. Ce sera bien. On a bien fait de venir ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu l'emmènes dans un coin comme ça devant la cheminée? Oh là là, Thomas Sanders, est-il un coquin? Disons qu'il y a un peu plus d'intimité ici. Voilà pour les amoureux. Ne laissez jamais Gisèle toute seule avec un instrument de musique à proximité, sinon elle y va toute seule là et elle fait sa life avec. Hein? Bon, comme on l'a vu la dernière fois, en fait, elle sera attirée toujours par la musique. Donc elle est bien la digne fille de son père quand même. Hein? Je dis ça, je dis rien. Présentation polie pour le futur gendre. Qui rejoindra notre famille. Voilà, les parents font connaissance. Bon, Albert, comme il a la truc polie, lui, il sait déjà tout de son gendre, ou pas d'ailleurs. Ah non, ça. Voilà. Tu vas lui demander un petit prêt? Non, quand même. Un gros prêt du meilleur violoniste. Le meilleur violoniste, c'est qui? C'est ma fille, bien sûr. Et elle dort, mais viens là, Nunuche. Voilà, ton futur mari fait connaissance avec tes parents, faudrait peut-être que tu sois là, quoi. Voilà, vous discutez, vous faites le gendre, quoi. Alors comme ça, vous avez des intentions coquines envers ma fille. J'espère que vous serez quand même plutôt sympa avec elle, voyez, avec tout. Faudra la défendre avec tous ces nazis qui traînent, qui commencent à envahir la France, là, qui envahissent le pays. Faut pas déconner non plus. Regardez comme c'est mignon. Les couples parents, le premier couple des enfants. Faire un massage. Oh, regardez Simone, elle est mignonne avec son futur mari. Exprimer son affection. Chatouiller sans pitié, voilà. Et
Et puis, bonne réputation, Simone. Ah, bah, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Invité à rester dormir. Non, tu vas chuchoter des mots doux. Tiens, tiens. Irène, elle vient squatter. Ah, bah, Marguerite, elle s'est. En même temps, il est 2h20 du matin, 10h30 du matin. On va rentrer quand même. Parce que tout le monde va aller dormir et tout. Faut pas oublier que pour certains, il y a l'école. Tu vas dire au revoir à ton futur. Ce petit compte, tu vas l'embrasser. Hein? Oh, c'est mignon. Et puis, de toute façon, je pense qu'il va partir. Donc, allez, on va rentrer sous cette ère de rock and roll de ouf. Mais voilà, hein, c'est pas l'époque. Hier, on est rentré à la maison. Toi, tu vas au lit. Toi, tu vas aussi au lit. Bah, de toute façon, tout le monde est en train de dire, moi, je suis fatiguée. Hein. Eh ben, vous allez vous coucher. Comme ça, c'est fait. Et toi, tu fais quoi? Tu vas aller manger et tu vas être couché. Mais quel est le fuck? Maintenant, il est revenu. Daichi! Mais comment ça? T'avais pris un jour de congé et tu nous as pas prévenu? Mais mec, y a pas de congé à cette époque-là! T'as pas le droit de prendre des vacances! Qu'est-ce que tu nous as envoyé ta remplaçante à la mormole pif là, hein, qui était aussi nulle que toi? Ah non, elle est vraiment pas là, la meuf. Hein. Bon, très bien, les majordomes, c'est aléatoire. Hein. Un matin vous en avez un, le lendemain c'est plus celui-là, et en fait c'est l'autre qui revient. Moi, je suis confuse. Allez, Irène, tu vas être défoncée demain pour aller en cours. Mais au moins, t'auras dormi un petit peu. Bon, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Ça y est, on a casé Simone. Je sais plus qui m'avait dit dans les commentaires de faire un petit Jamie comme dans Outlander. Mais en fait, voilà, si vous voulez vraiment que j'inclue certains personnages, que vous voulez même vos personnages, vos Sims, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous me donnez votre origin, votre ID origin. Moi, j'irai voir dans la galerie et je téléchargerai les foyers et les familles, et je les installerai dans mon jeu, donc vous aurez une chance d'avoir votre famille apparaître dans mon jeu, d'être le mari ou la femme, ou l'ami, ou j'en sais rien, ou le collègue, dans ma famille dédiée. Donc n'hésitez pas, surtout. Bon, bah là, pour Simone, il faut avancer, donc bah, je vais trouver un mari. Mais pour les deux autres filles, ce n'est pas encore fait, même si dans ma tête, ça commence à se construire. Alors n'hésitez pas, faites-le tout de suite. Allez, moi, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!